Paul Pocquin dans le Prix de Bali, vous étiez associé au grand favori. Rapport Galatéji. À la quatrième course pour ça s'est mal passé, on n'a rien compris. Ouais, un jour sans. Est-ce que c'est les faux départs qui ont fait que ça l'a un peu dérangé, quoi, le fait de reprendre, c'était là, ça lui était jamais arrivé. Parce qu'au premier départ, j'étais très bien élancé. Et même pour remonter dans la raquette, j'ai pas eu toutes mes aises, il n'y allait pas franchement. Donc voilà, on est parti en retrait et après, toute la route, je suis battu. Quoi. J'arrive pas à recoller, j'arrive pas à le faire filer. Voilà. Il est parti mou, comme on dit. Voilà, c'est ça. Quand on regarde l'arrivée, on a l'impression qu'il n'y a aucun des ténors qui était dans un bon jour. Voilà, ouais, c'était une course où ceux qui sont, enfin, on va dire, entre guillemets, en dessous des ténors qui ont brillé. Quoi. Qui sont peut-être mieux partis. C'est vrai que ça n'a pas été très vite, ils sont repartis au bon moment. Voilà, sûrement. C'est une question de parcours. Après, voilà. Aujourd'hui, le mien n'était pas en mesure de revenir après un mauvais départ, entre guillemets. Course à effacer totalement, naturellement, Paul. Voilà.